Aujourd'hui, présentation d'un objet très intéressant pour les voyages lorsque vous partez en randonnée et qu'il n'y a pas d'eau potable. Nous allons utiliser une paille filtrante. Donc, je récupère de l'eau ici, de l'eau qui a été contaminée, donc soit par des microbes, soit par de la boue, des bactéries, des algues. Regardez bien la couleur de l'eau. Avez-vous envie de la boire? Pas vraiment. Donc, que vais-je faire? Je prends ma paille filtrante. Je vais tout simplement la visser sur le culot de la bouteille. Il n'y a pas de trucage. Devant vous, je vais venir filtrer ici l'eau tout simplement en appuyant sur la gourde. Pour filtrer un litre, cela vous prendra environ 2 minutes. Et regardez, je peux boire en suivant l'eau sans être malade. Cette paille va filtrer à 99,9999% l'eau, c'est-à-dire quasiment tous les microbes existants sur la planète, mis à part le pétrole et l'eau salée. Pour la nettoyer, je vais la mettre à l'envers, je perce un trou de 8 mm ici, je prends l'eau qui a été purifiée et tout simplement, de temps en temps, je viens la rincer de manière à bien la nettoyer. Et lorsque vous la stockez pendant une période non utilisée, pensez à ne pas fermer le bouchon. Voilà, bon test.